d'émotion, une belle histoire. Rien de définitif puisque l'histoire est en route, elle continue et on a 20 ans derrière nous et on en a plus de 20 devant nous. Donc je dirais beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions avec le public, de rencontres avec les riders, des histoires avec des partenaires et une évolution en 20 ans de nos disciplines qui était un événement régional avec des disciplines un peu méconnues et puis surtout qui pouvaient même faire peur avec une tendance tatouée, des piercings et tout ça. Aujourd'hui, on va se retrouver en 2017 avec le CIO, beaucoup de fédérations internationales qui seront présentes et où c'est sport freestyle. Je joue maintenant dans la cour des grands et je pense que, et ce que j'espère vraiment, c'est que du coup les athlètes auront un retour direct parce qu'ils auront plus de partenaires, plus de médiatisation. Donc je pense que l'objectif qu'on avait il y a 20 ans, c'est populariser les sports. On commence à y arriver, c'est le début, c'est le premier 20 ans. J'espère que dans 20 ans, on se reverra et puis on discutera comme on discute du football pour nos sports.